Voilà, cette vidéo est sponsorisée par Marrakech. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait la promotion de Marrakech. N'oubliez pas d'y aller cet été. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi. Dans cette vidéo, nous allons parler de Shiba Inu qui vient de concevoir un projet, un portail pour avoir un massive burn. D'accord? On va regarder ça tout de suite. Mais avant, voilà, n'oubliez pas de liker, commenter ici, Hiroshi. Comme d'hab, apporter de la force. On a pris plus de 100 abonnés depuis hier. Donc, merci de me suivre. Ça fait super plaisir. Donc, bientôt 20 000 abonnés. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. C'est là où je partage aussi pas mal de bons plans, d'informations avant tout le monde. Vous voyez ça sur Twitter, je l'ai partagé avant tout le monde. Donc là, on a techniquement, on a un buy le dip. OK? Buy le dip sur Next Step. Okay, donc là, il y a eu un gros claim du troisième vesting qui a fait un peu mal à la charte, mais le projet continue à avancer. Voilà, ils sont en train de développer les NFT utilitaires. La société à Dubaï est en cours de création et l'application pour le terminal de paiement est en cours de développement par une école suisse. Parce qu'il faut rappeler les trois fondateurs du Next Step, c'est trois francophones, donc un Suisse, un Belge et un Français. Et donc, ils ont prévu de créer un événement en novembre 2022. Pour vous présenter la blockchain, pour vous présenter le terminal de paiement, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, le cours du Next Step se négocie autour de 0,4010. Voilà, il y a Market Cap qui tourne autour de 1 million. Voilà, ça reste quand même une crypto assez solide. Pour moi, le x10, sincèrement, il est largement possible, même avant la fin de l'année. Voilà, je me mouille. Avant la fin de l'année, Next Step, selon moi, pourrait faire jusqu'à x10, en tout cas par rapport au market cap qui sont actuellement. Donc le projet, il évolue. Donc pour ceux qui hold, de la force, n'hésitez pas à mettre, de faire du DCA, bien entendu, non conseil financier, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. En tout cas, ce projet reste toujours bullish avec une équipe de dingue. Vous pouvez aller checker leur Telegram, c'est une machine de guerre. Alors, on va regarder ici, vous avez le Telegram ici, vous avez 2424 membres. Ils font des publicités régulièrement, voilà, ils font du marketing. Donc, le projet, il avance super bien, ils sont super actifs. Voilà, si vous quittez le Telegram, vous revenez, vous retrouvez plus de 20, 100 messages, etc. Donc, le projet avance super. Donc, moi, je continue à les soutenir, je continue à faire mon DCA. Et voilà, donc l'aventure continue avec les trois. Rappelez-vous de ces trois, je vous l'ai dit, je vous le redis. Rappelez-vous de ces trois, ils vont aller très très loin. C'est vraiment le moment, franchement, ne ratez pas le train. C'est vraiment le moment. Voilà, bien entendu, Dior, faites toujours vos propres recherches. N'hésitez pas à rejoindre leur Telegram pour en savoir plus. Mais le projet, il est lourd, lourd, lourd. On va checker là, la petite baisse, vous voyez, des 1%, finalement, elle reflète bien le marché. Là, on est à moins 0,91%. Donc, le cours, il est en train de remonter. La baisse Next Step reflète finalement le cours de la baisse du Bitcoin de 0,99%. Regardez, c'est chirurgical, hein. Vous voyez que même le Bitcoin baisse. Donc, c'est pas. La raison de la baisse, ce n'est pas forcément lié aux fondamentaux, parce que les fondamentaux sont toujours là. Donc là, on a quand même un marché qui est en dessous des 2 trillions. Mais je suis convaincu, vous voyez, le marché, il fait un jour rouge, un jour vert, donc il fait souvent le yo-yo, comme Next Step finalement. Et je suis convaincu que quand le marché va repartir, il va repartir, mais si vous n'êtes pas dedans, il va partir sans vous, je vous le dis. Du coup, voilà, on a même du Polkadot qui perd jusqu'à 4,84%, Shiba Inu 2,57%. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une très belle journée pour la crypto-monnaie dans son ensemble. Par contre, c'est une très belle journée pour les investisseurs. Ils savent saisir les opportunités et investir dans leur projet ou continuer à faire du DCA. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, bien entendu, Dior, comme d'habitude. Mais en tout cas, vous voyez, on est rouge, rouge, rouge. Là, on a même du Monero qui perd 8,41%. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est la guerre où là? C'est la guerre sur Mars là ou quoi? C'est ouf ça. Bon, on va checker rapidement le Shiba Inu. Voilà, donc range baissier. Donc là, après le gros ATH, là, on est sur un range. Donc l'aventure continue comme d'hab. Donc le SHIB, voilà, donc je voulais vous parler de ça. Ça, c'est vraiment la grosse news d'il y a 20 heures. Ils ont créé un portail pour. Voilà, parce qu'il y a eu trop
de personnes qui se sont accaparées le burn du SHIB, etc. Du coup, Shiba Inu a décidé de l'internaliser, c'est-à-dire que de le gérer et en plus de ça, de récompenser, on va voir ça après, on va récompenser les gens qui vont burn, bien entendu. Donc, vous voyez, par exemple, moi, quand j'avais burn 1 million de SHIB, les gens m'ont dit « oui, t'es fou, c'est que, à l'époque, ça valait 25 euros, oh, t'as quand même burn 25 euros, l'autre, il dit c'est rien, etc. » Eux, ils ont dit « Shiba Inu vient aujourd'hui, mais tout le monde d'accord. » Disent, nous, vous voulez burn, pas de souci, on vous craint, jetons burn Shiba, on vous récompense en Ryoshi, pas de problème, on crée le portail, on veut tout gérer et on va faire en sorte que le burn soit le plus massif possible. Parce que voilà, l'objectif du burn, on va en revenir après, c'est bien entendu de réduire la supply et bien entendu, il faut qu'il y ait de nouveaux rentrants. Donc, dans le prochain bull run, quand ça va exploser, moins de circulation. De jetons, donc une valeur qui peut monter facilement avec bien entendu de nouveaux rentrants. Donc là, ils sont en train de préparer le métaverse avec la vente des terrains. Donc on va revenir au burn dans quelques minutes, donc on fait une petite parenthèse. Donc là, on a la vente publique des lands, voilà, parce qu'il y avait une vente. Il y avait plusieurs rondes auparavant et donc là tout le monde peut acheter, c'est-à-dire que là il n'y a plus l'exigence, vous voyez au début il y avait une exigence pour avoir du leash ou avoir du NFT Shiboshi et aujourd'hui là on est sur la public sell, donc là il n'est plus nécessaire d'avoir du leash ou d'avoir du Shiboshi. Et vous pouvez acheter, donc on achète les lands, on les achète avec de l'Ethereum, avec de l'ETH, qui avait fait une petite polémique, ceci dit, en passant. Donc les lands voilà, qui ont été vendus, on les retrouve sur OpenSea finalement. Donc il y a des gens qui ont acheté autour des 0,1 Ethereum et qui, voilà, si on va en buy now, on a un floor price qui est assez élevé. Enfin, qui est assez élevé, ça dépend pour qui. On est à 0,23 Ethereum, sachant que normalement, il y aura la possibilité de stacker ces lands pour avoir des revenus passifs. Voilà, pour les amateurs, bien entendu, de métavers, les amateurs de projets qui sont finalement dans l'univers virtuel qui est des jeux également, parce que sur ces landes-là, il sera possible de faire des jeux, de créer des événements. Donc, on va revenir rapidement sur le portail, le portail du Shiba Burn. Okay. Donc là, il y a eu, depuis la création du portail, plus de 8 milliards de tokens qui ont été burn. Donc, c'est juste la folie. Voilà, il y a 20 heures, ils ont annoncé. Donc, pour ceux qui ont commencé à burn, il y avait un APR, bon, là, ils disent AVR, donc c'était les récompenses qui tournaient autour des 30%. Donc, bien entendu, plus il y a de monde qui viennent et moins il y a de récompenses puisque les récompenses sont partagées. Donc là, voilà, il suffira de connecter son wallet et de suivre les transactions pour créer tout simplement des burns et les rendre en revenu passif. Donc là, je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc, le pourquoi burner, tout simplement rapidement, pour réduire les tokens de la supply et faire en sorte que le SHIB arrive, parce que l'objectif de Shiba Inu de la team, c'est que le token arrive le plus rapidement à 1 centime. Et donc là, ils y vont à fond. Donc là, on vous donne une explication de burn. Pourquoi le portail a été créé. Donc voilà, donc ça, c'est pour internaliser, toujours créer un peu plus de rareté. Et là, on vous explique ici que c'est le Ryoshi. Voilà, donc le Ryoshi, alors on va vous le dire ici, on va vous le rappeler ici. Le Ryoshi sera le token que je vous disais qu'on ne voit jamais, mais qu'on retrouve sur Shiba Swap. Donc, ça va être un token de récompense Ryoshi. Et on pourra rajouter ici, par exemple, si vous connectez votre wallet, vous pourrez rajouter le burn chip qui va démontrer que vous êtes bien le propriétaire du burn. D'ailleurs, voilà, s'il y a des gens qui vous disent qu'on burn, etc., vous pourrez leur dire aujourd'hui, montrez-nous votre burn chip, votre wallet burn chip pour nous montrer combien vous avez burné officiellement reconnu par Shiba Burn. Voilà, ils ont voulu créer ça parce qu'il y a eu beaucoup de projets qui sont lancés en mode on va burn et en fait, ils ne burn jamais. Voilà, donc du coup, ils se sont dit, nous, on va faire ça propre. Le portail, c'est nous, on gère tout, on a une chip et l'objectif, c'est de faire du massive burn. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Voilà, je vous mets tous les liens dans la description concernant Nextep. Je vous mets tous les liens dans la description concernant le Shiba Burn. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter de bons investissements et n'oubliez pas le pouce bleu pour la force. Et dites-moi tout ce que vous pensez du Burn ou du Nextep. Merci à tous, c'était Ryoshi.